Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. Nous sommes aujourd'hui, merci beaucoup, à Saint-Baudet-de-Mur, dans l'Est lyonnais, pour vous parler, merci, de ce passage piéton. Il est unique en son genre puisqu'il est équipé d'un radar. Il a fait son apparition cette semaine sur la RD306, l'un des axes les plus fréquentés de Saint-Baudet-de-Mur. Ce radar piéton a pour vocation d'aider les automobilistes à mieux respecter l'une des règles les plus élémentaires du code de la route, à savoir s'arrêter pour laisser les gens traverser. Un piéton arrive au niveau du passage, se présente, donc la caméra dans cette zone détecte un mouvement et donc la présence de ce piéton. En parallèle, l'autre caméra, elle, détecte la présence d'une voiture en mouvement. Et si le mouvement continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt du véhicule, elle déclenche à ce moment-là l'affichage du message de danger. Pas de chance, quand nous sommes passés, l'écran ne marchait pas. Le dispositif est pour l'instant expérimental. Il ne fait que sermonner l'automobiliste imprudent en attendant qu'un jour, la vidéo-verbalisation soit appliquée. Mais pour l'heure, les piétons s'en contentent. C'est une très bonne chose parce que même souvent, on traverse. Même en fait, si, il passe. Il faut qu'ils fassent attention, les gens, ils font pas attention au volant. Ça va être d'une grande aide pour qu'on puisse traverser. C'est pas mal. En tant qu'automobiliste, qu'est-ce que vous en pensez de ce radar piéton? Ben, c'est très bien, parce que c'est vrai que c'est... En France, on en est arrivé, quand les piétons passent, ils nous remercient, vous imaginez un peu? Ce radar piéton, créé par une société lyonnaise, est installé ici à Saint-Baudet-de-Mur pour 3 mois. Le maire de la commune espère, grâce à lui, faire baisser le nombre d'accidents. Malheureusement, nous avons eu il y a 8 mois un accident mortel, justement un piéton qui s'est fait renverser et tuer sur le coup. Et ces 8 dernières années, nous avons eu 5 piétons aussi de renversés. Donc c'est un axe très fréquenté puisqu'il y a 22 000 véhicules jour. 22 000, c'est très important. Et là, on est sur un passage à protéger qui amène directement à un groupe scolaire. Ce radar va-t-il permettre de modifier le comportement de certains automobilistes à l'égard des piétons? Mystère, si le test est concluant, la mairie de Saint-Baudet-de-Mur pourrait en installer un second devant un autre groupe scolaire.